L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Trois feuilles mortes de Jean-Pierre Ferrière. Avec Jean Rochefort, Yves Pénaud, Jean Péméja et Nelly Borjo, Daniel Vol, Françoise Fechter. Réalisation Alain Barou. Si on veut. Mais... Oui. Tu n'aimes pas mon tableau. Qui est cette femme dont tu fais le portrait? Ah, à ton avis? Mais je l'ignore, je ne l'ai jamais vue. Moi non plus. Moi non plus, Léa, elle est sortie de mon imagination. Pourquoi n'oses-tu pas me dire que c'est une femme que tu as connue, qui t'a aimée? Parce que c'est faux. Ce n'est pas une femme dont je me souviens, c'est une femme inventée. J'aimerais en être sûre. Je trouve merveilleux qu'après plus de 20 ans de mariage, tu sois toujours aussi jalouse. Je ne suis pas jalouse, Philippe. Je suis la jalousie. Puis-je te poser une question? Mais naturellement. Je ne voulais pas t'en parler, mais... Mais c'est plus fort que toi. J'ai reçu un coup de téléphone ce matin, très tôt. C'était que ça? Qui était-ce? Un journaliste de la Dépêche. Il voulait savoir quand avait lieu ma prochaine exposition. Je te demande pardon. Ce journaliste, c'était un homme ou une femme? Un gamin. Ah. Et tu lui as donné une date? Non. Puisque je ne suis pas encore prêt. Je me demande même si je le serai un jour. Que veux-tu dire? Que le fait d'exposer tous les 2 ans des toiles qui ne se vendront pas dans une galerie de Chartres payée par mes soins ferait plutôt fuir l'inspiration. Tu as beaucoup de talent, Philippe. J'ai un gentil talent, nuance, et tu le sais, comme moi. D'ailleurs, de quoi me plaindrais-je? Nous avons de la fortune, une très belle propriété et la santé. C'est déjà beaucoup. J'en suis convaincu. Mais est-ce suffisant? Philippe, tu n'es pas heureux. Mais si. Tu n'es pas encore habitué à mon petit côté génial? Veux-tu que nous allions faire un petit voyage à Paris pour voir des spectacles, des expositions? Oh, cela me donnerait beaucoup trop de complexe. Non, merci. Quelqu'un te retient ici? Non. Quelque chose. Ma peinture, elle n'est pas très bonne, mais elle me plaît. Entrez. Voilà le courrier. Merci, Gilberte. Tu permets? D'habitude, tu ne me demandes pas la permission. Une lettre de la banque. Le relevé de notre compte. À faire part. Qui est mort? Alexandre Barrois. Connais pas. Mais si, c'était un ami de ton père. J'enverrai une lettre. Ou peut-être même des fleurs. Hein, cette enveloppe t'est adressée personnellement, je loue. Bien sûr, tu en meurs d'envie. Et moi, je n'ai rien à cacher. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Une page blanche pliée en quatre. Et à l'intérieur de cette page, une feuille morte. Une vraie feuille? Eh oui, regarde. C'est drôle. Et pas la moindre indication? Non. Bon, ça doit être une sorte de publicité pour un pépiniériste ou pour un marchand de produits destinés au jardin. Plus de feuilles mortes dans vos allées grâce à l'astucieux monsieur X.
C'est une présentation assez originale. Je suis sûre que nous en saurons davantage dans les jours à venir. Je me demande si je vais pouvoir tenir jusque-là. L'a posé sur le bureau. Tu n'y as pas jeté un coup d'œil? Non, non, pas encore. Tu n'es vraiment pas curieux? C'est peut-être ça le secret du bonheur. Une carte de ta sœur. Elle est à Rome. Ah, tant mieux pour elle. Elle nous embrasse. Elle ne peut pas faire moins. Ah, et voici la même enveloppe qu'hier. Quelle enveloppe? Celle qui contenait une feuille morte. Ah, le mystère de la feuille morte. Qu'y a-t-il dans celle-là? Une autre feuille morte. Mais il y a quelque chose d'écrit sur la page. Et c'est 5 ans. Comment? 5 ans. 5 années, si tu préfères. Rien d'autre? Non. Il doit s'agir d'un produit dont l'efficacité dure 5 ans. Je trouve ça grotesque. Quoi donc? Mais c'est feuille morte, ce mystère. Il semblait t'amuser tout à l'heure. Peut-être, mais plus maintenant. Des feuilles mortes, ça... Ça a un côté sinistre. Nous sommes en automne, ici. Merci, merci, je m'en étais aperçu. Mais Philippe... Non, excuse-moi, je... Un petit peu nerveux aujourd'hui. Tu ne travailles plus? Non. Alors prenons la voiture et allons nous promener. Il y a longtemps que nous n'avons pas rendu visite aux antiquaires de la région. Non, non, je ne me sens pas d'humeur à marchander. Et encore moins à cancaner. Ne m'en veux pas, mais... J'ai besoin de solitude. Je vais marcher. Jusqu'à la ferme des Malichaux. Comme tu voudras. À tout à l'heure. Oui. N'oublie pas ton blouson, il ne fait pas chaud. Gilbert? Gilbert? Madame m'a appelé. Vous m'avez entendu puisque vous êtes là. Mais c'est que j'en étais pas très sûre, voyez-vous. Avec l'âge, je deviens dure d'oreille. À quelle heure passe le facteur? Ben, il est déjà passé. Je le sais, mais je veux dire, à quelle heure passe-t-il habituellement? Oh, ça dépend de son humeur. Et aussi du temps. Quand il fait mauvais, il ne descend pas de sa bicyclette, mais dès qu'il y a un brin de soleil, il fait le trajet à pied, alors ça décale tout. Donnez-moi tout de même une heure. Disons, entre 9h30 et 10h. Madame attend quelque chose de spécial? Non, non, c'est pour savoir. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous le voyez bien, une feuille morte. Mais d'où vient-elle? J'ai fait le ménage, moi, ce matin. Et les fenêtres sont fermées. Oh, j'y suis. C'est certainement monsieur. Monsieur? Mais oui, il veut sûrement peindre une feuille morte, alors il a pris un modèle. On en dessinait souvent quand j'étais à l'école. Courrier. Le courrier? Ne me dis pas qu'il n'y en a pas. J'ai vu le facteur s'arrêter devant la maison. Mais il nous a apporté la dépêche, comme chaque matin. Oui, et puis? Une invitation à une réception chez les Marandal. Ils marient leur fille. Je me demande bien quel est le malheureux garçon qui s'est laissé prendre au piège. Oui, quoi encore? C'est tout. Léa, ne me mens pas. Ce serait indigne de toi. Très bien. Tu as reçu une nouvelle enveloppe et une nouvelle feuille morte. La troisième en 3 jours. Et sur le papier, qu'y a-t-il d'écrit sur le papier? Une date. Laquelle? Le 18 octobre. Oh, mon Dieu. Philippe, tu ne vas pas t'évanouir? Non, quelle idée, mais non. Ah, oh, tu es devenu si pâle, tu m'as fait peur. Assieds-toi, je t'en prie. Philippe, est-ce que je me trompe, mais... Mais il me semble que cette date du 18 octobre n'est pas une surprise pour toi. Je ne pense plus à tout ça. Mais comment veux-tu que je n'y pense pas, mon chéri? Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Tu parais être en danger. Tu as beaucoup trop d'imagination. Mais que signifient ces feuilles mortes, ces chiffres, ces dates? À ton avis. Que
Quelqu'un cherche à t'intriguer, à t'effrayer, à te faire chanter peut-être. Je ne comprends rien à cette histoire ridicule. Essayons de l'oublier. Philippe, où vas-tu? À Chartres. J'ai rendez-vous avec le directeur de la galerie. Nous devons parler de mon exposition. Je suppose que tu préfères y aller seul. Je te remercie d'avoir deviné. Je suis coiffée comme une n'importe quoi. Impossible d'aller chez le coiffeur, j'ai plus un sou. Philippe, tu m'entends? Oh, tu es parfois d'une indifférence. Donne-moi mon vernis à ongles. Philippe, je te parle! Oh, je te demande pardon, Catherine, tu disais? Mon vernis à ongles. Ah. Là, 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 sous ton nez. Oui, tiens, voilà. Merci. Bon. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Mon avenir. Enfin, notre avenir. Eh bien. Mais enfin, tu es ivre ou quoi? Seulement préoccupé. Ah, et pas par moi. Alors, ce divorce, ta femme est d'accord? Ma femme? Tu lui en as pas parlé? J'en étais sûre. Mais enfin, Philippe, crois-tu vraiment que je vais me contenter de jouer indéfiniment les doublures? Voilà 3 mois que tu me berces de belles promesses. J'en ai plus qu'assez, moi. C'est entendu, je suis amoureuse de toi. Mais songe à tout ce que je te sacrifie. Paris, ma carrière. C'est pas à Chartres que je peux faire du cinéma, hein? Et n'oublie pas que je suis jolie. Et que je n'ai que 25 ans. Ça me donne certains droits. J'étouffe, moi, dans ce petit deux pièces, dans cette villa sommante, où je suis presque toujours toute seule. Tu dois prendre une décision. Et vite! Oui. Je te ferai remarquer que je n'ai pas ajouté « sinon ». Tu peux être tranquille. Je ne suis pas du genre à débarquer chez toi pour mettre ta femme au courant de notre liaison. Tout ça est beaucoup trop démodé pour moi. Mais la vie que je mène actuellement est aussi très démodée. Backstreet, c'est toute l'avant-guerre. La vérité est que je ne suis pas assez méchante. Moi, quand les choses traînent, je m'en vais. Tu m'écoutes? Catherine, tâche de me comprendre, j'ai de gros ennuis. D'argent? Non. De santé? Non plus. Alors, ce ne sont pas de gros ennuis. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Là, sur le tapis. Une feuille morte. D'où vient-elle? J'en fais collection. Oh, Catherine, je ne plaisante pas. Je m'en aperçois. D'où vient cette feuille? Mais j'en sais rien. Ah bah si, Tout à l'heure, je suis allée faire un tour. Elle a dû se coller à la semelle de l'une de mes bottes. Je l'ai ramenée ici. Ah. Oh, Philippe, ne prends pas cet air épouvanté. Ne me fais pas de scène, s'il te plaît. Je t'ai jamais dit que j'étais une ménagère modèle. Au contraire, le désordre, la bohème, c'est assez mon style. Philippe, tu es fâché? Non. Mais que se passe-t-il? Tu m'aimes plus. Je ne te plais plus. Tu sais bien que si. Mais tu as peur de ta femme. Je ne veux pas lui faire de la peine. C'est ça? Tu veux divorcer sans qu'elle le sache? Je suis désolée, mon amour. Mais tout ça est beaucoup trop compliqué pour ma petite cervelle. Retiens bien ceci. Si dans 8 jours, très exactement, tu ne lui as pas parlé, je retourne à Paris et tu ne me reverras jamais. Je peux t'assurer que je me consolerai plus vite que toi. Philippe, tu ne dors pas? Ah non. Ce sont ces lettres mystérieuses qui te tourmentent? Mais naturellement. Philippe, je peux tout entendre, tout comprendre, tout pardonner. Je suis ta femme. Tu dois me faire confiance. N'as-tu rien à me dire? Non. Pas maintenant, plus tard peut-être. Donne-moi un somnifère. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi?
Apparemment pas, vous avez une sale tête, je vous le dis comme je le pense. Ça vous vexe pas au moins? Non, non, Gilberte, non. Non, et vous savez l'heure qu'il est? Presque 11 heures. C'est pas dans vos habitudes de vous lever aussi tard. J'avais pris quelque chose pour dormir. Oh, c'est pour ça. Moi, je prends jamais rien. Non, il faut dire que j'en ai pas besoin, sitôt couché, sitôt parti. Madame n'est pas là? Elle est allée à la ferme chercher des œufs. Elle va pas tarder à rentrer. Le facteur est passé? Oui. Qu'est-ce qu'il a apporté? Ah, c'est la dépêche que vous voulez, n'est-ce pas? Vous suivez le feuilleton, tout comme moi. Ah, je le trouve passionnant. Et pourtant, il est imprimé si petit que ça me tire les yeux. Ah, ben, je vous le ramène, il est à la cuisine. Non, 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 c'est inutile. Je le lirai plus tard. Ah, ben, ça m'arrange parce que je ne l'ai pas terminé. Et à part le journal, il n'y avait pas de lettre? Non. Vous en êtes certaine? Non. Mais expliquez-vous, bon sang, je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Ben, laissez-moi le temps de m'expliquer. Oh, ben, ça vous rend pas bien aimable d'avaler des cochonneries pour dormir. C'est pas moi qui étais au-devant du facteur, mais madame. Il m'a semblé qu'elle n'a rapporté que le journal, mais je peux pas vous le jurer. Vous êtes content? Non. Non, non. Il n'y a pas eu de coup de téléphone ce matin? Si, un seul. Qui était-ce? Oh, ben, demandez donc à madame, je suis pas dans le secret des dieux, moi. Vous prenez tout de même votre café? Non, merci. Et vos feuilles mortes, ça avance? Qu'est-ce que vous dites? Ben, qu'est-ce que j'ai dit encore? Vous n'êtes pas en train de peindre des feuilles mortes? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ben, on en trouve sur tous les meubles depuis quelques jours. Vous me montrerez quand ça sera fini, n'est-ce pas? D'accord. D'accord, mais vous serez déçus. Oh, je suis jamais déçue par vos tableaux. On reconnaît tout de suite ce que vous avez peint. Bon, le voilà déjà dehors. Mais il a l'air plutôt mal luné aujourd'hui. C'est gentil d'être venu à ma rencontre. T'es-tu reposé? Oui, mais ton somnifère m'a collé la migraine. Dis-moi, ce matin, feuille morte ou pas feuille morte? Rien. Vrai? Naturellement, tu te méfies de moi. Non, c'est pas ça, mais étant donné ton affection pour moi... Tu peux dire mon amour. Ton amour pour moi? Tu aurais pu être tenté de faire disparaître certains documents pour sauvegarder ta tranquillité. Non, rassure-toi, je suis beaucoup trop inquiète moi-même pour agir ainsi. Je te crois. Es-tu content? Soulagé. Le coup de téléphone. Gilberte m'a dit que quelqu'un avait appelé. Oui, mon amie Irène Jalma, elle nous propose de place pour le spectacle Ionesco qui va être donné dimanche au Grand Théâtre. J'ai refusé. Ah, t'as eu raison. Je n'ai aucune envie de sortir le soir en ce moment. Craignais-tu que ce coup de fil ait un rapport avec les trois lettres? Oui, je l'avoue. Ah, eh bien, tu peux respirer. Du moins jusqu'à demain. Philippe, il m'est de plus en plus difficile de me taire. Je comprends. J'ai vu ton émotion, ta frayeur, j'ai lu les chiffres, la date. S'agit-il d'une chose... d'un accident désagréable qui a eu lieu il y a 5 ans? Oui. Et un 18 octobre? Précisément. Ne me demande rien de plus, je t'en prie. 5 ans. C'était donc en 1967. Et en octobre 67, j'étais à Paris, au chevet de mon frère qu'on croyait perdu. Je t'ai laissé seule à Châtine pendant une douzaine de jours. Ce serait donc pendant cette période... Léa, je t'en prie. Une question, encore la dernière. S'agit-il d'une histoire de femme? Une histoire de femme? Oh, Léa, je te jure que non. Je te le jure sur ce que nous avons été l'un pour l'autre. Ou sur ce que nous sommes toujours l'un pour l'autre. Oui. Oui, oui. Je te donne ma parole. C'est tout ce que je voulais savoir. Quoi que tu aies fait, je suis avec toi. Je suis de ton côté. Reste à découvrir pourquoi on a attendu 5 années pour te rafraîchir la mémoire, pour te menacer. On ne me menace pas encore, mais ça peut venir. Mais je ne veux plus penser qu'à une seule chose. Ce matin, il n'y avait pas de lettre au courrier. Mais cependant... Oui. Gilberte ne t'a fait aucune remarque bizarre à mon sujet, aucune allusion aux feuilles mortes? Non.
Enfin, si. La pauvre vieille croit que tu es en train de peindre un paysage d'automne. Mais pourquoi te préoccupes-tu d'elle, Bruce? Comment la soupçonnerais-tu? Philippe, elle est à notre service depuis plus de 15 ans. Évidemment, elle y était aussi en 67 pendant mon absence. Aurait-elle pu remarquer quelque chose? C'est invraisemblable, mais... Et d'autant plus qu'elle rentre chaque jour chez elle à bicyclette. Philippe, l'incident s'est-il produit le jour ou la nuit? La nuit. Bon, alors Gilberte ne peut pas être au courant. Tu es là, Philippe? Oui, et depuis bientôt une heure. Où étais-tu? Au cinéma. C'est le jour du changement de programme. Un jour que j'attends avec impatience. Et moi, Catherine, c'est toi que j'attends. À qui la faute? On ne sait jamais quand tu débarques. Je peux tout de même pas passer mes journées entières confinées ici. Je n'ignore pas que c'est ton rêve le plus cher. Mais il faut être raisonnable. Ah, bon, d'accord. Je ne veux pas me disputer. Je comprends ce que ça signifie. Tu as mieux à faire qu'à te disputer. C'est-à-dire? Que je suis ta récréation, ta bouffée d'oxygène, ta sortie de secours. Embrasse-moi donc, puisque tu n'es venue que pour ça. Catherine, ne sois pas si agressive. Tu apportes de bonnes nouvelles? Presque. Ce n'est pas suffisant. Et ta femme, toujours étrangère à nos projets, à son malheur? Toujours. Tu n'as plus que 3 jours pour lui parler. Je ne l'ai pas oublié. Je voyais assez mal comment m'y prendre, mais... Depuis quelque temps, l'atmosphère est meilleure à la maison. Oh, ravie de te l'entendre dire. Tu sais que j'avais des problèmes. C'est ce que j'avais cru comprendre. Eh bien, je crois qu'ils se sont dissipés. Tant mieux, tant mieux. Catherine, viens dans mes bras. Voilà. Non, pas comme ça. Ah, parce qu'en plus, il faut être gentil. Et de bonne humeur. Il faut sourire et dire merci. Oh. Non, mais Philippe, tu imagines ce que sont mes après-midi et mes soirées ici, toute seule. Oui, je sais. Tu m'as loué la télévision. Mais la télé, mon vieux, ça se regarde à deux. Encore un peu de patience, ma Cathy. 3 jours. Pas un de plus. Embrasse-moi. Bonjour Léa. Bonjour mon chéri, bien dormi? Eh oui, oui. Assieds-toi, je vais te chercher ton café. Gilberte n'est pas là? Mais Philippe, c'est dimanche aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Le soleil brille, il fait un temps fantastique. Nous aurons peut-être un très beau mois de novembre. J'ai ouvert toutes les fenêtres, toutes les portes. Je vais m'installer dans le jardin. Très bonne idée. Vieille bicyclette, c'est elle qui t'a effrayée? Oui. Cette bicyclette doit appartenir à Gilberte, qui l'aura abandonnée là. Non. Ou bien à des gosses qui se sont amusés à la faire passer par-dessus le mur. Elle est vieille, toute rouillée, toute boueuse, couverte de feuilles mortes. De feuilles mortes? Il y en a partout, collées au guidon, prises entre les rayons. Fais-la disparaître, je t'en supplie, fais-la disparaître. Oh, très bien, j'y vais. Ne bouge pas. Oh.
tu ne la reverras pas, je l'ai... Bon, mais qu'importe ce que j'en ai fait. Vas-tu m'expliquer maintenant? Oui, oui. Ah oui, je n'en peux plus. Je suis un assassin, Léa. Quoi? J'ai tué, sans le vouloir, bien sûr. C'était un accident. Laisse-moi essuyer ton front, tu es en sueur. Allonge-toi sur le canapé. Ça s'est passé il y a 5 ans pendant ton voyage à Paris. Tu étais resté ici, tu voulais peindre. Mais c'était vrai, je te le jure. Je n'ai pas quitté la maison, je vivais dans l'atelier. C'est à peine si je prenais le temps de dormir. Gilberte me préparait mes repas, nous n'échangeions pas 3 phrases dans la journée, puis un soir... Le 18 ? Non, le 17. J'ai brusquement eu envie de voir du monde, de me changer les idées, de m'aérer. Bon, j'ai pris la voiture. Je suis allé à Chartres, au cinéma. En sortant de la salle, j'ai rencontré Beauchamp, le directeur de la galerie qui avait assisté à la séance, lui aussi. Il m'a entraîné dans un bar, sans avoir beaucoup insisté, je l'avoue, nous. Nous avons bu un verre, 2, 3. Tu connais son penchant pour l'alcool. Bref, en le quittant, j'étais un peu ivre, enfin, un peu beaucoup. Mais content. Content de moi, content de ma peinture qui me semblait meilleure que jamais. J'ai repris la voiture et je suis rentré. Il devait être 1h du matin. Et c'était le 18 octobre. Je devais rouler assez vite. Soudain, après la montée de la Martinière, j'ai aperçu une jeune fille. Oui, une jeune fille dans la lumière de mes phares. Elle était à bicyclette. J'ai eu l'impression qu'elle roulait presque au milieu de la route. J'ai voulu freiner, mais... il était déjà trop tard. Je me suis jeté sur elle, ou elle s'est jetée sur moi. J'ai entrevu son visage. J'ai cru entendre un hurlement. Mais s'il roulait au milieu de la route, tu n'étais pas responsable. Je n'en étais pas certain, et... comment le prouver? Et puis, j'étais ivre. Bon, j'ai mis pied à terre. La petite était morte sur le coup, je l'ai compris immédiatement. Sa tête avait dû heurter le chemin ou la carrosserie. Je me suis affolé. J'ai chargé la fille et la bicyclette dans ma voiture et je suis revenu ici. Ici? Eh oui, oui. C'était comme un cauchemar. Plus j'essayais de réfléchir, plus j'avais peur. Qu'as-tu fait? J'ai pris une pelle et une pioche. Et puis? On ne peut pas faire 36 choses avec une pelle et une pioche. Un trou? Un trou. J'ai enterré la fille tout au fond du parc, derrière la rangée de peupliers, très profondément. La fille et la bicyclette. Ensuite, j'ai lavé la voiture, c'est tout. Les jours qui suivirent ont été atroces et il m'a d'abord fallu t'affronter, toi. Toi qui es rentré le soir du 18, je m'en souviens. Mais heureusement pour moi, tu étais encore sous le coup de l'émotion provoquée par la maladie de ton frère. Tu étais trop préoccupé par son état de santé pour remarquer le mien. Tu t'enfermais dans ton atelier? Mais ce n'était pas pour peindre. J'avais peur de tout. Du téléphone, du courrier, du moindre visiteur, des bavardages de Gilbert. J'attendais les gendarmes. Je les attendais si intensément que je souhaitais presque leur venue. Mais non, rien. Je dévorais les journaux en cachette qui tous parlaient de l'étrange disparition de la jeune Claudine Mercier. 16 ans, fugue, enlèvement. L'enquête de la police n'a jamais abouti. J'imagine que ses parents se sont peu à peu résignés, j'imagine et surtout j'espère. Les semaines, les mois, les années ont passé, j'avais presque oublié ce drame. Et puis les feuilles mortes sont arrivées. Oui. À la première, je ne me suis douté de rien, mais les deux autres, 5 ans,
18 octobre. Et puis la bicyclette tout à l'heure, là. Léa, quelqu'un est au courant? Et ce quelqu'un a déterré la bicyclette, car c'est bien celle de Claudine Mercier, je l'ai reconnue. Comment peux-tu être aussi affirmatif? Tu n'as aperçu cet engin que quelques minutes, en pleine nuit, il y a 5 ans, et alors que tu avais bu. D'ailleurs, que ce soit ou non la bicyclette de ma victime, qu'est-ce que ça change? L'intention est claire. Quelqu'un a dû te voir la nuit où tu as renversé cette petite. J'étais pourtant certain que l'accident n'avait pas eu de témoin. Il n'y avait personne sur la route. Les amoureux dans un bois, un vagabond. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi ton persécuteur a attendu tant de temps avant de se manifester. Peut-être qu'à l'époque, il n'avait pas besoin d'argent et qu'aujourd'hui... Oh, c'est une question d'argent, ce n'est pas bien grave. Nous paierons, nous en avons les moyens. Mais si nous commençons à payer... Nous paierons toute notre vie, je sais. Mais du même coup, le maître chanteur devient notre associé, notre complice. Pourquoi souris-tu? Parce que tu as dit notre associé, notre complice. Je te répète encore une fois que je suis de ton côté. Oh, merci Léa. Nous sommes liés. Je ne te considère d'ailleurs pas du tout comme un assassin, mais comme un homme admis responsable d'un banal accident de la route. Tu étais un peu ivre. Cette jeune fille a été imprudente. La fatalité a fait le reste. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je suppose qu'on va nous écrire ou nous téléphoner pour nous dicter ces conditions. Il n'y a qu'à attendre. Et si c'était la police? La police, mais tu dis vague, Philippe. La police ne se livrerait pas à une telle mise en scène. Elle agirait plus directement. Aujourd'hui, tu sais toute la vérité. Penses-tu que Gilberte puisse être mêlée à cette histoire? Non. Ou alors, il faudrait imaginer que Claudine Mercier était de sa famille. Je veux bien essayer de me renseigner discrètement. Mais je suis sûre de sa réponse. As-tu approché les parents de cette jeune fille, de près ou de loin? Oh non, non. Je suis trop lâche. Tu as bien fait. Tu aurais pu éveiller l'attention. Comment te sens-tu? Oh, mieux. Puis-je t'infliger une petite épreuve? Une épreuve? Allons jusqu'au fond du parc. À l'endroit où... Nous verrons si la terre a été fraîchement remuée ou non. Ah non, 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 je ne peux pas aller assez au-dessus de mes forces. Je te soutiendrai. Viens. De cet arbre. Tu es certain de ne pas te tromper? Oui, évidemment. Repousse toutes ces feuilles mortes, aide-moi. Regarde. Mais tout est normal. Absolument normal. Aucune trace de coup de pioche, de bêche. Conclusion, la bicyclette que tu as vue n'est pas celle de la petite Mercier. Mais une autre qui était préparée, décorée pour te faire peur. J'aime autant ça. Ah, moi aussi. Rentrons maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe. Tu es à l'heure pour une fois. C'est pas bon signe. Mais entre. Ne reste pas planté sur le palier. Alors, comment ça va toi? Bien, bien, bien. Tu es venu m'apporter ta réponse? Il y a exactement 8 jours, je t'ai fixé un ultimatum. Alors, qui a gagné? La jeune et turbulente maîtresse ou la fidèle épouse? Écoute, ma petite Catherine, il faut absolument que tu comprennes. Jette un coup d'œil sous le lit. Quoi? Je te dis de jeter un coup d'œil sous le lit. Non, rassure-toi, tu ne vas pas y trouver un cadavre. Mais une valise. Ma valise. Prête, bouclée. Tu t'en vas? Dans 1 heure. Et définitivement.
Je savais que tu n'aurais jamais le courage d'abandonner ta femme et ton foyer. Mais comme je suis honnête, régulière, j'ai attendu jusqu'à la dernière minute pour lever le camp. Ce n'est pas que je manque de courage, Catherine, mais il y a autre chose. De toute façon, courage ou pas courage, où est la différence? Tu as choisi. Tu as raison. Je ne t'en veux pas. Nous deux, au départ, ça boitait déjà. Oh, bien sûr, si je m'étais contentée de rester dans l'ombre. Mais l'ombre, vois-tu, ce n'est pas mon genre. Ce serait même plutôt le contraire. Ce que je veux, c'est la pleine lumière, les sunlight, les flashs, les applaudissements. Oh, je n'ai pas beaucoup d'illusions sur mon talent, mais physiquement, je ne me défends pas trop mal. Tu es très belle, Catherine. Et j'ai bien l'intention d'en tirer parti. Je te regrette un tout petit peu. Quand même. J'aurais aimé avoir un mari comme toi. Solide, tendre et fortuné. Mais peut-être me serais-je ennuyée très vite à tes côtés. À moins que tu n'aies accepté de venir t'installer à Paris. Ne parlons plus de tout ça. C'est déjà du passé. Qu'est-ce que c'est que ce petit paquet? Oh, c'est un cadeau. Ah, un cadeau de rupture. Est-ce que tu peux être conventionnel? Oh, remarque, c'est tout de même gentil. C'est quoi? Un collier, un bracelet? Un bracelet. Garde-le. J'ai horreur des souvenirs. Et puis tu m'offres surtout ce bijou pour te donner bonne conscience. Je suis sûre qu'il a coûté très cher. Tu le donneras à ta femme, elle n'en croira pas ses yeux. Et ne t'en aimera que plus. Catherine, ne sois pas méchante. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas méchante. C'est même là mon drame. Parce que si je l'étais, je ferais de ces choses. Allez, remets ce paquet dans ta poche. Dépose un baiser sur mon front et va-t'en. Tu prends le train? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ben, je t'accompagne à la gare si tu veux. Et tu agiteras son mouchoir sur le quai? Jusqu'à ce que le train disparaisse à l'horizon? Il me fait rire. Tant mieux. Je vais à Paris en voiture. Avec qui? Un garçon que j'ai rencontré dans un café. Un garçon de mon âge, ça t'ennuie? Oui. Est-ce qu'il est... Mon amant? Non. Mais il espère bien le devenir. On verra. Pour moi, ce n'est pas important. Adieu, Philippe. Sois heureux. J'aurais tant voulu t'expliquer. Ne te fatigue pas. Je devine tout ce que tu as envie de me dire. Certainement pas. Mais si. Pour être franche avec toi, je n'ai jamais cru que notre histoire se terminerait par un mariage. Mais tu me plaisais suffisamment pour que je tente ma chance. J'ai perdu. Toi aussi, d'ailleurs, tu as perdu. Adieu, Philippe. Patron, la même chose. Dis donc, Fernand, tu ne crois pas que tu as assez bu? Bon, tu veux faire faillite ou quoi? Je te parle comme ça parce que tu es un vieil ami. Eh ben, oublie l'ami et occupe-toi du client. Bon, on est dans un bistrot ici, jusqu'à preuve du contraire, non? D'accord, Fernand, d'accord. Alors, un petit blanc. Ouais. Dis donc, t'as vu le journal? Le match? Bon, je m'intéresse pas au match. Mais la petite qui a disparu. Ah. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky. Un whisky. Je la connaissais bien, moi, tu sais, cette petite. Quelle petite? Bah, celle qui a disparu, Marie-Renard. Ah. Qu'est-ce qu'ils en disent, les flics? Et ils croient donc que c'est un enlèvement. Comme s'ils en savaient quelque chose. Pourquoi leur est-on enlevé cette gamine? Sa famille n'a pas le sou. Peut-être un maniaque. Voilà votre whisky, monsieur. Merci. Si on le retrouve, j'espère qu'on lui tordra le cou. Ça me rappelle une autre de disparition. Laquelle? La fille des Merciers, il y a 5 ans. Ah.
C'est vrai, j'avais oublié cette affaire-là. La pauvre mère est morte de chagrin l'année dernière. C'était sa seule enfant. Et le père ? Le pauvre type n'est plus que l'ombre de lui-même. Il ne parle plus à personne, pire qu'un fantôme. Il paraît que rien qu'en France, chaque année, il y a des centaines de filles qui disparaissent et qu'on ne revoit plus jamais. Si c'est pas malheureux. Et qu'est-ce que je vous dois ? Ça fait 6 francs, monsieur, sans service. Voilà. Merci. Ah ben ça alors ? Quoi ? Oh, drôle de client. Il a payé son whisky, il n'y a pas touché. Oh, c'est vous, monsieur. J'avais un petit creux, j'étais en train de finir la tarte de midi. Madame n'est pas là. Non. Non, son amie, madame. Jalmain est venue la prendre vers 3 heures pour l'emmener à Chartres. D'après ce que j'ai cru comprendre, elle voulait s'acheter une robe. Non, pas madame, non, non. Mais madame Jalmain. Et comme c'est une personne qui ne sait jamais se décider, elle avait besoin de conseils. Très bien. Je vais dans mon bureau, qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Même pas si madame revient. Vous lui direz que je travaille et que je me suis enfermé. Et si on vous demande au téléphone ? Vous répondrez que je suis sorti et vous prendrez les messages. Entendu. Mais faudra pas m'en vouloir s'il y a des fautes d'orthographe. Gilbert ! Gilbert, vous êtes encore là ? Ah oui, monsieur, mais je suis sur le départ, il est 6 heures. Ah, le téléphone n'a pas sonné une seule fois. Bon, puis-je vous confier une lettre à mettre à la poste ? Ah bah bien sûr, monsieur. Alors je compte sur vous, c'est très important. Bah, je vais la glisser dans mon sac pour ne pas la perdre. Ne l'y oubliez pas. Non, pas de danger, vous pouvez dormir tranquille. Elle partira ce soir, votre lettre. Et bonsoir, monsieur, à demain. À demain, Gilbert. Ah bah, j'entends du bruit. C'est certainement madame qui rentre. Madame s'est bien promenée ? Oui, Gilberte, mais je crois que j'ai pris froid. Ah ben, faut vous faire un bon grog. Enfin, tout est prêt pour le dîner. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je m'en vais. Bonsoir, madame. Bonsoir, Gilberte. Je suis morte. Irène voulait s'acheter une robe. Nous avons fait toutes les boutiques pour revenir avec une paire d'escarpins. C'est chaque fois la même chose. Et toi, qu'as-tu fait ? Je suis allée dire adieu à une jeune femme. Une jeune femme que je connais ? Je ne le pense pas. Mais que tu connais bien. Elle est ma maîtresse depuis 5 mois. Et peut-on savoir pourquoi tu éprouves le besoin de me l'avouer aujourd'hui ? Parce que, précisément, tu viens de rompre avec elle ? Non, pour te prouver que je suis un pauvre type menteur et lâche. C'est tout. Ce n'est déjà pas si mal. Je ne suis pas digne de toi, Léa, de ton amour, de ta confiance, de ta bonté. On dirait que tu as de moi une haute opinion. Oui, très haute. Trop haute, Philippe. Je suis comme toi. Je sais mentir, dissimuler. Et quand il le faut, je sais aussi me battre. Te battre ? Pour conserver ce à quoi je tiens le plus au monde. Toi. Catherine Barthet n'était pas de taille. Quoi ? Pourquoi cet air stupéfait ? Non, le nom. Le nom de cette jeune femme, Catherine Barthet. Je suis certain de ne pas te l'avoir dit. C'est donc que je le savais. Tu le savais ? Depuis longtemps, mon pauvre chéri. Ainsi que bien d'autres choses. Tu savais tout. Tu m'as fait une confession l'autre jour et je t'ai compris, pardonné, soutenu. Aujourd'hui, Philippe, c'est mon tour. J'ai grand besoin d'aide. Les feuilles mortes. Eh bien. C'est moi qui te les ai envoyées. Mais c'est impossible, tu te moques de moi. En ai-je l'air ? Non. C'est moi aussi qui ai décoré la vieille bicyclette que tu as découverte dans le jardin. Je ne te crois pas. Non, je ne te crois pas. Tu mens pour me rassurer, pour m'éprouver. Et pourtant.
En octobre 67, je suis bien allée à Paris au chevet de mon frère malade. J'étais bouleversée, malheureuse, mais aussi très préoccupée à ton sujet. Jalouse en un mot. Je crevais de jalousie. Que faisais-tu pendant mon absence? Est-ce que tu ne profitais pas de la liberté retrouvée? Je ne pensais plus qu'à toi, j'imaginais les choses les plus folles. Aussi, dès que mon frère a été considéré comme sauvé, j'ai sauté dans le premier train. J'ai voulu revenir à l'improviste. Pour te surprendre. Pour te confondre. Quand es-tu arrivé? C'était le 17 octobre, il devait être 9h du soir. La maison était vide et la voiture n'était pas au garage. J'ai supposé que tu traînais dans des bars. J'ai cru que tu allais ramener une femme ici. Bref, je me suis cachée dans le grenier avec ma valise. Le grenier? Tu étais là? Et de la fenêtre du grenier vers 2h du matin, j'ai assisté à une scène que je n'oublierai jamais. Grâce au clair de lune, je t'ai vu traverser le jardin en traînant un corps, puis une bicyclette. J'ai remarqué la pelle, la pioche. La réalité était pire que tout ce que ma jalousie m'avait fait imaginer. Tu étais là? Je n'ai pas pu fermer l'œil. J'ai attendu l'aube et je suis repartie discrètement. J'ai passé la journée à Chartres et le soir, après t'avoir téléphoné, pris un ticket de quai, je t'ai attendue à la gare. Tu étais dans un tel état que tu n'as pas pris garde à ma pâleur, à mon mutisme. Les jours suivants, moi aussi, j'ai consulté les journaux. J'ai vite fait la relation entre la scène du jardin et la disparition de Claudine Mercier, qui s'était rendue à bicyclette chez sa grand-mère le soir du 17, et qui n'était jamais rentrée chez elle. Les journalistes précisaient que c'était une jeune fille très sérieuse, qui n'avait pas d'amoureux. Elle ne quittait guère ses parents. J'ai aussi interrogé Gilberte, qui ne s'est pas fait prier pour me raconter que tu avais été odieux, que tu n'avais pas mis le nez dehors en 10 jours, que tu vivais collé à tes toiles. J'ai soupçonné la vérité, l'accident, ton affolement. Mais j'ai gardé le silence. Pendant 5 ans. Et puis en avril dernier, je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose. Tes rendez-vous à l'extérieur se multipliaient, tu étais souvent distrait et plus élégant. J'ai vite compris que tu avais une liaison. Tu mens si mal, mon pauvre Philippe. Ça a été un coup terrible pour moi. Mais cette fois encore, j'ai serré les dents, j'ai décidé d'attendre que tu te lasses, que ta partenaire se lasse. Début juin, la situation n'ayant pas changé, j'ai chargé un détective privé de te surveiller et d'obtenir certains renseignements, le nom et l'âge de ta maîtresse, par exemple. Tu m'as fait suivre. J'ai donc su son nom, son adresse. J'ai aussi appris qu'elle était jeune et ravissante. Tu as dû souffrir. Oh, l'important pour moi était que tu rentres chaque soir à la maison. Je faisais confiance au temps. J'avais tort. En septembre, j'ai trouvé dans la voiture le catalogue d'une agence de voyage. Croisière en Grèce, croisière en Égypte. Alors là, j'ai su que j'allais vraiment, définitivement te perdre. Tu avais certainement promis à cette fille de divorcer et de refaire ta vie avec elle. Comment t'en empêcher? Tu étais le plus fort. Puis, j'ai eu une illumination. Seule la peur pourrait t'obliger à rester près de moi, à renoncer à cette fille. En te faisant croire que l'accident du 18 octobre 1967 avait tué un témoin, je savais que tu te raccrocherais à moi. Et tu m'as envoyé la première feuille morte, puis les deux autres. Je n'étais pas très fière de moi, je peux te le jurer. J'ai d'ailleurs arrêté à la troisième avec l'envie de te crier, n'aie pas peur, tu n'es pas en danger. C'est une triste plaisanterie. Mais quelques jours plus tard, tu as repris confiance, tu es retourné à Chartres voir cette fille. Alors j'ai fait cette chose infâme, je me suis procuré une vieille bicyclette et je l'ai couverte de boue et de feuilles mortes. Apparemment, j'ai tout de même gagné la partie. Puisque tu m'as annoncé tout à l'heure que tu venais de rompre avec Catherine Barthet. C'est vrai.
Mais pourquoi cet aveu? Rien ne t'obligeait à parler. Je voulais te détacher de moi pour que tu n'aies pas trop de peine que... Nom de Dieu, ma lettre. Quelle lettre? Mais celle que j'ai remise à Gilberte avant son départ. À qui écrivais-tu? Au commissaire de police. Quoi? Oui, je lui ai raconté la vérité au sujet de l'accident. Je suis revenu à Claudine Mercier. La peur, le chantage, les remords aussi m'avaient poussé à me confesser. Je voulais me livrer, je voulais être jugée. Mais c'est stupide puisque tu ne cours aucun danger, puisque le pseudo maître chanteur n'existe pas. Il faut absolument récupérer cette lettre. Gilberte est à bicyclette et... elle a une quinzaine de kilomètres à parcourir avant de rentrer chez elle. Avec la voiture, nous la rattraperons rapidement. Viens vite. Je comprends bien, tu m'as avoué ta liaison uniquement pour que j'aie moins de peine si tu étais jeté en prison. Oui. Philippe, je crois que malgré tout, c'était une preuve d'amour, non? Peut-être. Plus vite, mon chéri, il faut absolument rattraper Gilberte. Il nous faut absolument la lettre. Nous ne l'avons pas vue, elle devrait être encore loin de Chartres. Peut-être elle s'est arrêtée chez une amie, chez sa voisine. Bon, allons sonner chez elle. S'il n'y a personne, nous irons monter la garde devant la porte. C'est ici, au 24. Sonne, Philippe. Madame? Monsieur? Ça, c'est une surprise. Gilbert, vous n'êtes pas rentré à bicyclette? Ah si, comme tous les jours. Mais heureusement, un camion s'est arrêté, conduit par un ami de ma fille. Il m'a chargé à son bord, moi et mon vélo. Si bien que j'ai fait le trajet en 5 minutes, c'est très agréable. Et la lettre, la lettre que je vous ai confiée à la maison. Gilbert, je suppose que vous n'avez pas eu le temps de la mettre à la poste. Oh, j'ai fait beaucoup mieux que ça, madame. Monsieur m'avait précisé que sa lettre était urgente et importante. Et quand j'ai lu qu'elle était adressée au commissaire, j'ai demandé à l'ami de ma fille de m'arrêter un moment au commissariat. Mais vous faites donc pas de soucis, monsieur. À l'heure qu'il est, il y a longtemps que le commissaire l'a lu, votre lettre. C'était L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, 3 feuilles mortes de Jean-Pierre Ferrière, avec Jean Rochefort, Yves Pénaud, Jean Pébéja et Nelly Borgeau, Daniel Vol, Françoise Fechter. Chef opérateur du son, Robert Lavoigna. Collaboration technique, Noélie Louis-Marie. Assistante, Annie Mas. Réalisation, Alain Barou.